Salut, salut la team. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour un petit exercice pour perdre du poids. Donc c'est parti, avec simplement ça, vous allez perdre énormément de poids. Donc il faut le prendre vraiment sous, sous une forme de jeu, pas sous une forme de je fais ça pour perdre du poids, ok? Ce sera plus facile de mettre ouais. ça sous forme de jeu. Voilà, psychologiquement et tout, c'est mieux plutôt qu'aller courir sur un tapis à la salle. Non, relou. Ça, c'est efficace. Et si vous aimez ça, je vais vous en faire plusieurs. Voilà, c'est détend. Et vous pouvez le faire aussi sous forme de jeu avec deux personnes. Donc encore mieux. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer comment ça marche. Je vais vous montrer un exemple avec Vlad. Et après, à la fin, tous les deux, on fera un jeu pour savoir qui est le meilleur sur ça. Voilà, on mettra un petit chrono. Voilà, on va se défier comme vous savez, on adore se défier, voilà, comme d'habitude. Bref, c'est parti, on vous explique comment ça marche. Ok, donc pour commencer, vous prenez deux plots pour bien marquer le départ et l'arrivée. Ensuite, vous prenez un autre plot, vous marquez le numéro 1. Un autre plot pour le numéro 2. Un autre pour le numéro 3. Et après aussi un autre pour le numéro 4. Et vous pouvez mettre ainsi de suite autant de chiffres que vous voulez. Donc ok, donc comme il l'a mis, voilà, donc en place. En fait, il va placer en fait le 1 où il veut. On va dire le 1, c'est là où c'est à peu près le plus proche. Voilà, et après tu te démerdes, on s'en fout des chiffres. Faut juste que. Faut bien mettre par contre, vous mettez des chiffres sur les. Les trucs. Ça s'appelle comment ça? Ouais, vous mettez les chiffres sur les plots, donc je vous ai pas montré. Donc en gros, ici vous mettez le numéro 1, 2, vous allez au numéro que vous voulez. Même si 10 si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 10. Voilà, donc là il l'a placé. Et faut bien voir. Fais gaffe là-bas, on voit pas le numéro là-bas. Sur la gauche. Voilà, 3. Et là, à fond aussi, on voit pas. On sait que c'est le 4, mais bon, on voit pas trop. Voilà, donc ici, il y a le 1. Ici, il y a le 2. Là-bas, le 3. Et tout au fond, le 4. Ok? Donc, ça va marcher comme ça, en fait, sous forme de petit jeu. Vlad, il va se passer au point d'arrivée. Et à chaque fois, je vais lui dire un chiffre. Donc, le chiffre par rapport à ce qu'il y a là-bas. Par exemple, je vais lui dire le numéro 3. Faut qu'il court le plus vite possible, toucher le 3 et qu'il revienne au point de départ. Le plus vite possible, bien sûr. Ça fait voir un peu. Bon, c'est pas grave, bon, c'est pas grave. Bon, plot comme vous voulez, plot. Voilà quoi, les trucs que vous avez tous vu au lycée, au collège. Bref, c'est parti, t'es chaud, on commence vite fait. Ouais. Bon, une petite démo, je vous montre vite fait. On fait au point fixe, après je vous montre avec le stabilisateur. Allez, c'est parti. Donc là, je vais te dire, vas-y, tu te mets là, et là, je te dis. Ah, le 4. Donc là, je lui dis 4, il va toucher le 4. Allez, reviens le plus vite possible. 2. Voilà, encore. Tu reviens, tu vas toucher le 3. Allez, va toucher le 3. Allez, reviens. Va toucher le 4. Ok, tu reviens, tu vas direct retoucher le 4 encore. Voilà, va toucher le 1. Voilà, le 3. Voilà. Voilà, c'est comment? Ah, c'est bien. C'est bien? Voilà, donc c'est vraiment à prendre sous une forme de petit jeu. Je sais pas si c'est déjà inventé ou pas, mais bon, j'y ai pensé la dernière fois quand je faisais un peu de coaching à une personne qui avait des problèmes de poids, et ça je pense que c'est une bonne idée. Donc en fonction de la personne bien sûr, si vous êtes vraiment en gros problème de poids, plus rapproché, pas aussi loin, et puis la personne peut prendre un peu plus son temps, même au début marcher si vraiment ça, c'est trop dur pour elle. Voilà, mais après pour un sportif comme Vlad, on peut là on a vraiment mis quoi, mais on aurait pu mettre vraiment plus loin, même si vous voulez, vous pouvez même mettre 1 km le dernier, vous voyez. Voilà, donc bien sûr, à la fin de la vidéo, dans la description, je vous mettrai une barre de son, enfin un lien pour aller voir la barre de son. En gros, je vais vous parler comme ça, je vais faire le numéro 1, numéro 2, comme ça vous aurez juste à la télécharger et l'écouter, et vous, comme ça vous aurez juste à la faire. Bien sûr, les numéros, vous les placerez où vous voulez. Et puis voilà. Ok, 3, 2, 1, 4. C'est parti. 4. Allez. Le 2. 2. Le 1 à gauche là-bas, tout à gauche là-bas, le 1. Le 3. 3. Le 2. 1. C'est fini. Alors, c'est comment? Salto ou quoi? Je vois comme dans le défi 300 là. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu, allez voir le défi 300. Et bref, donc bien sûr,
Nous, comme vous avez vu, les plots, on les a fait éloigner. Le 4, il est au moins à 200 mètres, je pense, à peu près. Du coup, voilà. Bien sûr, vous, si vous commencez à débuter, vous n'avez jamais fait de cardio et tout, commencez pas aussi long, sinon vous allez crever. Ok, donc la vidéo est terminée. Voilà, donc si vous voulez récupérer du coup les liens de la vidéo pour la bande sonore, quoi. Il va mettre des sons en bas de la description. Voilà, je sais pas comment on va faire, on va se débrouiller, mais vous pourrez faire des exercices pour débutants, intermédiaires. Voilà, ça va pas. Et ceux qui sont expérimentés, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc pour ceux qui ont des problèmes de poids. Voilà. Donc c'est pas mal comme exercice. Voilà, c'est super. Surtout vous découragez pas. Ouais. Si vous le voulez vraiment, vous allez réussir. Là, moi j'ai eu cette expérience, je le voulais vraiment et je suis arrivé à ce que j'ai voulu. À ce qu'il voulait. Voilà, je suis pas encore. On n'a pas encore fini. On est loin d'objectif encore. C'est sûr. Voilà, on en reparlera plus tard d'objectif, on n'est pas là pour ça. Donc, ceux qui ont des problèmes de poids, si vous voulez changer, c'est juste pour vous, c'est pas pour les autres. Si vous sentez bien dans votre peau alors que vous avez un peu trop de ventre ou trop de cuisses, je sais pas. Mais restez comme ça, c'est juste que si vous le faites, c'est pour vous, pas pour les autres. Ouais, d'accord, sûr. Ou pas? Ouais, je suis d'accord. Parce que si vous le faites pour les autres, vous n'arriverez jamais à le faire. Si vous sentez bien comme ça, laissez les autres critiquer. Voilà, laissez les autres critiquer. Sa vie comme il veut. C'est ça, voilà. Et surtout, franchement, ceux qui vous insultent, qui vous ridiculisent et tout, prenez-le comme un bien, parce que grâce à eux, au moins, vous serez motivé, vous aurez la rage de vaincre. C'est vrai ou pas? Moi, quand j'étais petit, on me faisait ça, j'avais la rage de vaincre, et maintenant, les gens reviennent vers moi pour me donner des conseils comment se muscler. Et ça, c'est plutôt satisfaisant, ça. Ouais. Ça, c'est bien, ça me redonne l'envie de retourner à la salle, de tout casser. Voilà. On a une chose à vous dire, lâchez rien. Ouais. Continuez. Allez jusqu'au bout. Et après, sans regret, quoi. Voilà. Et laissez les gens sur le côté, ceux qui sont pas des terres, laissez-les, parce que c'est pas eux qui vont vous faire amener vers le haut. Vers le haut, c'est ça. Donc, si vous aimez ce genre de petit parcours pour vous améliorer. Demandez-nous dans la description. Voilà. Bien sûr, ceux qui ont pas de problème de poids et qui veulent ça juste s'améliorer en cardio, et c'est pour vous aussi, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de. Voilà, même prise de masse, c'est pas grave, ça fait du bien un peu de cardio. Faut arrêter les gars, prise de masse, que du muscle, et on vous demande de courir 2 km et c'est fini. Ouais. Ça sert à rien, les gars. Faut penser. Faut être un peu polyvalent, quoi. Voilà, quand on fait de la muscu, c'est pas que pour avoir des gros muscles, c'est. C'est aussi pour se faire plaisir. Voilà, faut pas oublier que c'est du sport. Faut pas oublier que c'est du sport avant tout. Donc faut arrêter de penser juste à avoir des gros muscles. On et parlait de se moquer, tout, voilà. C'était drôle, quand même. Voilà, moi je viens de se moquer, mais là c'était drôle. Voilà, ça, ouais, donc. Il va bien. tu fais un petit salto, mec. Je rate pas ce fois-ci. Vas-y, là ici, tu le fais devant ici, là. Devant moi. Yeah, voilà, donc si dans la vie vous voulez quelque chose, Saltoria il l'a voulu, mon poteau il l'a réussi. En 20 minutes. Bon, en 20 minutes, les rageux diront non, mais allez vous faire enculer. Bref, sur ce, ceux qui ont des problèmes de poids, la vidéo s'arrête ici. Et oubliez pas, la team, vous êtes les meilleurs. Et si jamais on vous dit que vous êtes pas les meilleurs, ou vous dites que vous êtes trop gros, laissez pas. Ok, donc n'oubliez pas, ceux qui ont des problèmes de poids, ou que les gens ils se moquent de votre physique, franchement, dites-leur juste une chose. Allez vous faire enculer. Je vois mes parents qui prennent de l'âge, faut que je les emmène en séjour au soleil sur la plage. Ma vie une longue histoire où je ne peux tourner la page. L'impression d'être un chien car au fond de moi j'ai trop la rage. On vieillit de jour en jour, je vois mes parents qui prennent de l'âge, faut que je les emmène en séjour au soleil sur la plage.